Je lis le livre de Deutéronome, chapitre 8, les versets 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Notre thème aujourd'hui, de pain. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants ce matin pour l'opportunité que nous avons non seulement d'avoir la Bible, mais la lire et d'avoir un accompagnement pour mieux la comprendre. Tandis que nous étudierons cette référence, merci de nous aider à comprendre l'essentiel. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la première tentation de l'ennemi, c'était en rapport avec la nourriture. Alors, je vais lire à nouveau dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 3. L'ennemi, le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà la réponse que fit Jésus. Quand tu as lu de Matthieu 4, ce que je viens de lire, du reste, tu te poses la question, mais où c'est écrit? Nous sommes allés dans Deutéronome chapitre 8 et nous avons vu que ce que Jésus a cité est écrit dans Deutéronome chapitre 8. Ce qui confirme que, 1, Jésus connaissait la parole. 2, il pouvait dire, il est écrit. Les seuls moyens pour nous de remporter la victoire sur la tentation, c'est premièrement de connaître la parole, de connaître Jésus. Et quand tu connais Jésus, tu veux savoir ce qu'il te conseille. Alors tu lis la parole pour connaître la parole. Et quand tu connais Jésus, la parole, tu peux répondre, il est écrit. Ensuite, n'oublie pas que Jésus a déclaré dans Jean 5, verset 39, et je vais citer cette parole longtemps, surtout maintenant, pour que tu comprennes. Il dit dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais moi, je te dis ce matin, vous sondez les Écritures parce que vous pensez qu'elles peuvent vous aider à résister à la tentation. Ce sont elles qui te donnent la réponse pour tenir ferme au nom de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici pourquoi on
empêchait aux gens d'avoir la Bible. L'une des raisons. Car lorsqu'on a la Bible, on la lit. Le Saint-Esprit nous aide à retenir les références et le contenu. Lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu par le jeûne et la prière, le Saint-Esprit ramène à notre esprit les réponses aux attaques du diable. Seigneur, merci pour ta parole. Continue de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.